Made in Japan, drift sur l'asphalte au milieu des néons dans un voyage à travers la culture automobile japonaise. Nous avons voulu couvrir toutes les disciplines, du drift dans les montagnes à la course de véhicules hautement customisés. Et qui de mieux placé que de vrais pilotes japonais pour te montrer les rouages? On te donnera bientôt plus de détails, mais dirigeons-nous d'abord vers le conteneur. On y va. C'est assuré que tu découvres presque tout ce que les pilotes japonais ont à offrir. Voyons ce qui va suivre. Puisqu'on ne pouvait pas t'emmener au Japon, on a amené le Japon ici. Il y a un événement spécial ce soir au temple japonais, le début d'une toute nouvelle expérience. Voici ce à quoi tu peux t'attendre. Une ambiance estivale japonaise traditionnelle et beaucoup de voitures Kyusha. C'est-à-dire iconique, classique et conçu au Japon. En plus de ça, attends-toi à des rencontres intéressantes. En effet, le Motorfest a trouvé la parfaite équipe de pilotes pour te faire vivre une authentique expérience de course de rue japonaise. T'en fais pas, tu les rencontreras bien assez tôt. Pas sûr que tu viendrais. T'as du cran, j'aime ça. Désolé pour l'attente. Tu nous montres ce que tu sais faire? Essaie cette voiture. C'est parti, on va te montrer.
ce que c'est que les vraies courses de rue à la japonaise. On y va, les gars. Pas de problème. Ça roule. Ok, ça me va. Le moteur Fest nous a demandé de te faire une démo, mais tu vas pas nous regarder les mains dans les poches. Tu dois jouer le jeu et essayer de nous donner du fil à retordre. Aucune pression. Ouais, fais gaffe, tu peux lui faire peur. Tu connais un peu la Honda qu'on t'a filée? C'est la NSX. Elle a été conçue dans les années 90 pour rivaliser avec des bolides genre Ferrari et Porsche. On prendrait en tant que Shingo. En parlant de Shingo, vous savez que si on perd face à sa NSX, on n'a pas fini d'en entendre parler. Y a pas moyen. Je veux même pas y penser. Va falloir commencer à se bouger alors. Tu sais ce que ça veut dire, NSX? New Sports Car Expérimental. C'est pas à toi que je demandais. Japonais qu'ils ont créé. On se croirait de retour à la maison. Ok les gars, on dirait que notre pilote sait y faire. Intéressant. Bravo, pilote. De nouveaux challenges t'attendent. Notre prochain arrêt, Kaneohe. Le pack t'y attend et est prêt à te montrer une autre facette des courses à la japonaise. Wangansen, également appelée la Tokyo Bay Shore Route ou Route B, est un tronçon d'autoroute célèbre pour les courses de rue. Presque tous les pilotes des années 80 et 90 la connaissent. Certains des meilleurs conducteurs ont fait rugir leur moteur sur cette route. Même des groupes de courses notoires tels que The Midnight Club y ont fait leurs armes. Et c'est ce qui a légèrement inspiré notre prochain event.
t'invite à gérer comme un vrai Ashiria avec ma NSX. Ça, ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais? Ok, je suis chaud. Ok, petite tête, le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois. Et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend, c'est une légende la L34. C'est un kaiju. La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser. Ouais, Rennes a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Rennes, quitte la planète. Ce parcours est parfait pour donner un aperçu de l'esprit Wangan. Un mythe absolu parmi les pilotes japonais. Imagine-toi rouler sur la Wangan Sen à Tokyo, avec une seule chose en tête, rouler à fond. Wangan, tout est question de vitesse, l'ami. Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème. Bien vu. Les dragons. Vas-y, fais un vœu. Qu'il était ébloui par la lune. Oh, c'est bon, là. Quel bon souvenir. Posé sur tes lauriers. On continue, pilote. La technique moderne du drift a été perfectionnée par des passionnés japonais qui s'exerçaient dans les montagnes pour la sécurité des piétons en ville. En plus des conditions routières défavorables, ces cols de montagne sont parsemés de virages en épingle et d'autres difficultés. Le drift est le meilleur moyen de les négocier sans perte de vitesse.
au Japon, on appelle ces cols Toge. C'est même devenu le nom d'un style de course à part entière. De montagnes sinueuses d'Hawaï étant très similaires à celles du Japon, on a pensé que ce serait l'endroit idéal pour t'initier. Dernière chose, une course de Toge, c'est généralement deux pilotes. Tu l'auras compris, prépare-toi à un duel. Toi et moi cette fois. On met l'euphorie du festival de côté 5 minutes et on se fait en vrai face à face. Je vais te montrer ce que c'est que le Toge. Relax, j'ai vu ce que tu sais faire. Ça va aller. Et je te donnerai des conseils en chemin. C'est d'être capable d'équilibrer freinage et accélération à chaque virage. Un faux pas et c'est fini. C'est pas une technique facile, mais quand on la maîtrise, on se sent le meilleur pilote du monde. Et surtout le plus cool. Ce soir, tu pilotes une Mazda RX-7 3e génération de 2002. Légère, compacte, un moteur rotatif de malade et beaucoup de style. C'est la voiture d'Inata et elle a l'air sûre que tu peux me battre avec. On va lui montrer qu'elle se trompe. C'est la meilleure partie, mais aussi la plus technique. Sois sur tes gardes.
Quelle victoire! Beaucoup d'autres suivront, j'en suis sûre. Tu viens de nous montrer que tu étais capable d'exploiter les techniques de drift dans une course. Puisque t'as fait tes preuves, que dirais-tu d'une pure épreuve de drift? Direction l'aéroport. La vue sur l'océan y est magnifique. Du moins, d'après ma base de données. Je ne suis qu'un ordinateur, après tout. J'espère que tu as aimé la RX-7, car tu vas la piloter à nouveau pendant ce défi. Sauf que cette fois, elle a été modifiée et améliorée rien que pour ton plaisir. Tu as découvert le Japon traditionnel. Il est temps d'entrer dans l'ère moderne. Je te préviens, le contraste est saisissant. T'es pas n'importe qui, toi. Hayato est un des meilleurs pilotes que je connaisse, t'assures? Et maintenant, bienvenue sur mon terrain de jeu, la piste de drift. Comme tu le sais déjà, le drift est né au Japon. C'est là qu'on trouve la plus grande scène de drift et bien sûr, certains des meilleurs spots. Le circuit des Bisou, par exemple, c'est l'un des plus célèbres au monde pour le drift. Conçu par des drifteurs pour des drifteurs. Qui sait, peut-être que le Motorfest t'y amènera un de ces jours. Que penses-tu de ma RX-7 modifiée? Plus robuste, mais toujours élégante, c'est ma RX-7 2.0. La culture automobile japonaise s'arrête pas au drift. Elle fait aussi la part belle à la customisation et à plein d'autres choses, tu verras.
Vas-y, t'y es presque. Allez, pousse ce bijou à son maximum, t'as ma permission. Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Le drift est un style de course extrêmement populaire au Japon. Mais le dragster a aussi sa part de passionnés. D'ailleurs, il y a un spot pas très loin d'ici. Cette piste est l'un des meilleurs endroits pour faire du dragster sur l'île. Fais chauffer ton moteur et prépare-toi. Ce sera une course éclair. Bravo, pilote. De nouveaux challenges t'attendent.